Chers clients, chers employés de Camtel, sur très haute instruction du chef de l'État, le premier ministre, chef du gouvernement, a annoncé des dispositifs très stricts pour empêcher la propagation du COVID-19. Camtel, en tant que société citoyenne, a pris toutes les dispositions nécessaires pour implémenter ces directives et instructions. Et dans un premier temps, nous avons commencé par limiter les visites au sein de Camtel dans tous nos établissements techniques et commerciaux. Nous avons également engagé des actions pour permettre le télétravail à distance, chacun dans son bureau. Nous pouvons communiquer par téléconférence. Nous avons également mis en place un dispositif de rotation du personnel. Donc tout le monde ne vient pas au travail en même temps. Certains travaillent à partir de leur domicile et d'autres travaillent dans les bureaux. En ce qui concerne nos clients, nous avons également mis un dispositif qui permet de distancer les clients les uns des autres et d'éviter les affluences dans nos agences commerciales. Nous avons également pris des dispositions pour permettre les paiements à distance. Il n'est un secret pour personne que les télécommunications sont aujourd'hui le véhicule par lequel tout le monde peut rester connecté, tout le monde peut être informé. Donc Camtel a pris toutes les dispositions pour assurer la permanence et la continuité, n'est-ce pas, des services Internet et communication électronique. Donc Camtel est ouvert pour accompagner toute entreprise qui le sollicite ou qui le souhaite, toute organisation, toute institution qui souhaite pouvoir permettre à ses employés de continuer à être productifs tout en étant dans leur bureau ou dans leur domicile. Alors notre engagement ferme au sein de la Camtel, c'est de prendre toutes les dispositions pour barrer la voie au COVID-19.